Et voilà, on se retrouve sur un nouvel épisode de Far Cry New Dawn. Bon visionnage! Je couperai ça au montage, yeah, je couperai ça au montage. Le montage sera coupé, le coupage du montage. Pam, 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 pam. Bim, 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 bim. Horatio, le char d'assaut. Horatio est très difficile à arrêter, à attirer l'attention de vos ennemis. Oh yeah! Certains talents peuvent être améliorés à l'infini une fois débloqués. Yes, allez, on s'est soigné, on sait pas pourquoi. Ben, ça tire de ouf là. Mais putain! T'as vu quelqu'un où? Ah, là en bas. C'est bien mon chien. Ta gueule. Attends, là il y a un autre truc à récupérer. Par ici ou pas? Non, on va essayer de dégager de là. Regardez-moi les gars. Les mecs, ils sont hyper excités. C'est bon, je te couvre. Putain, mais c'est pas possible. Comment... Non, attends, mais de où j'ai pas touché sa tête, là? Yes, bon, allez. Il y a des renforts qui arrivent en quad. Tenez bon. Bon. En quad. J'aime beaucoup ce quad.
Ah merde. Quoi? Yes. Il est con. Ah putain. Wouah. Oh l'enfoiré. D'accord. Mais non, putain, je me trompe de bouton, c'est chiant. Mais c'est quoi ce mec? C'est chiant, j'ai plus de... Je le vois pas, je le vois pas. Ah, il est là. Mais c'est impossible que je le touchais pas là, les enfants, au bout d'un moment. Mais gars! Gars, il a bougé la tête, mais il s'est pas pris de coup. C'est quoi cette merde? Ouais, il est mort. Yes. Merci mon chien. Trop fort. Oh là là là. La dégaine de la meuf quand même. Une vraie Texane. Yes. Putain. Faut que le nouvel Eden nous aide. J'ai vu ces élus se battre. Ah, non. Ah oui, non, aussi, recharger munitions. C'est exactement ça que je voulais faire. Hop, yes. Quand on marche autant que moi, on apprend à se fabriquer des chaussures avec ce qu'on trouve. Oui, bien sûr. Tu dis? Par contre, pourquoi... Ah! J'ai juste pas rechargé les munitions, en fait. J'étais persuadé d'avoir fait, mais j'avais pas du tout fait. Ok. Alors ça, on vient de l'avoir. Yes, puis recevoir... Ah, je peux le faire d'ici, c'est cool, ça. Suivre dans le journal. Yes. Excellent. 0 auto. Ah putain. Ben. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement monter par là. On va faire les deux avant-postes sur le chemin. Et en gros, on va suivre ça. Par contre, je suis chiant d'aller 12 fois dans le menu par minute, mais. D'accord, ça il faut quoi? Prospérité niveau 3, et ça c'est pour faire quoi? Exécution de délit. Ah oui, d'accord, moi je peux exécuter n'importe quoi en vrai, je suis trop fort. Ok, défi. Arme, ah, j'ai plus de défi pour les armes. J'avais oublié ça. Ok, ben écoute, alors let's go, si on a plus de défi. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Excusez-moi. Voilà. Allez, mon chien. Ah, attends, à propos du chien. T'as encore 2 kills. Encore 2 kills et on peut changer de... Il y en a 2 qui manquent, quand même. Ah oui, il faut que j'aille les chercher, ceux-là. Alors, attends. Toi, il te manque 2 kills. Toi, j'ai jamais joué avec toi. J'ai jamais joué avec toi. Toi, t'as fait tes kills, et toi, t'as fait tes kills. Yes.
Ok, ben donc dès que le chien a fait ses kills, on passe au prochain. Excellent travail. J'aurais peut-être dû prendre une voiture, ça aurait été plus simple. Il faut un maximum d'éthanol pour pouvoir avoir les nouvelles armes. J'entends tirer là. Ok, là ça va être complexe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Vous savez que ça allait être complexe. Quoi? Mais non! Mais il est où mon chien? Je m'accroche à la vie! Oh là 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 là. Mais non! Mourir comme ça! On a affronté un pompiste de l'extrême et on a et on meurt parce qu'on tombe d'une falaise. Où est-ce que j'ai atterri, s'il vous plaît? Ah, c'est pas beaucoup plus pratique. Et pourquoi ici? Parce que de l'autre côté, j'aurais pu avoir ce qu'on appelle une voiture ou un. Mais enfin, un truc quoi, pour rouler. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh là là, le 15. Putain. Vraiment falloir que j'apprenne à viser. Hein. C'est comme assez terrible mon skill en visée est ridicule. Oui, salut. Putain. Aïe. Aïe. Mais de où je l'ai pas touché là? Mais de où j'ai pas fait une tête? Bon là oui, là d'accord. Aïe! Aïe! Quoi? Mais d'où il vient lui? C'est pas croyable. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Non mais les gars, on est dans une forêt, jouez pas avec le feu. Bon. C'est chiant. Attends, j'ai tué quand même un maximum de mecs. Où sont les cadavres? Parce que... j'ai quand même dépensé énormément de munitions pour très peu de gens. Quoi? D'accord, il y a un arbre qui brûle, mais c'est pas grave. Ouais. Yes, là. Pas saboter, piéger, tout ça, je vais juste rouler avec. Où est mon chien? Ah non, Voilà.
excellent. Attention, oh là là. Bon, cette route n'est pas forcément faite pour un conducteur comme moi. Alors techniquement, il devrait avoir un pont par ici. J'ai pas l'impression que ce pont est fait pour une voiture en fait. Une moto ou un quad, ou des gens à pied tout simplement. Mais j'ai pas l'impression que ce chemin... Oh là là là, mais quel enfer! Bonjour! Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vois rien! Cette voiture est nulle! Je vois que dalle! Aïe! Je vois rien! Quoi? Attends, j'étais en train de rouler, le mec a réussi à m'envoyer un cocktail Molotov, vous êtes sérieux? Oh là là là, mais quel enfer! Je sais pas du tout où je suis. Putain. L'arbre, il a éclaté à mon arrivée. C'est incroyable. Où est-ce que je suis, là, actuellement? Est-ce que j'ai avancé d'un poil? Je pense. Expédition niveau 2 requise. Yes. Je peux monter là? Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Alors, est-ce que je viens de bloquer là? Oui, je viens de bloquer la voiture. Yes. Est-ce qu'on a beaucoup avancé? Non. Incroyable. Attends, mais j'ai un parachute, non? Donc, si je fais un saut comme ça... Voilà. Oh, oh! Excellent travail. Non mais cette voiture est impossible. Mais je suis en mouvement! Voilà. Où il est? Donc t'es touché, t'es mort. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là, eux? C'est un bon toutou. Ah oui, c'est un bon chien. C'est bien. J'ai absolument pas une caresse, mais bon. Bon, à la base, je voulais juste piller ça. Je voulais pas te faire de câlin. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser. Il a fait ses 40 kills. Yes, chien de garde. Eh bien, intercepte les animaux qui essaient de vous attaquer. Ouh, cool. Alors, est-ce qu'on reprend un animal? Viens, on prend l'exploseur. Yes. Tranquille. Voilà, on approche tranquille. Ça serait bien que tu arrives à atterrir le plus possible. Excellent travail!
Ah voilà. On a un des avant-postes. On avait vu qu'il était sur notre chemin. Je crois qu'ils sont en train de se battre contre un autre. Yes. Allez, bah monte. Attends, mais attends, tu peux... Tu peux quand même grimper sur un mur, sale conne. Au bout d'un moment, t'es chiante. Mais attends, mais tu te fous de ma gueule. Mais c'est des rochers normaux. Normaux. Putain. Putain, qu'est-ce qu'elle est nulle. Je lui fonce dessus. Ça va saigner. C'est quoi? Salut. Oh merde. Oh merde. T'as vu ça? Dis-moi que t'as vu ça. Fantastique. Merci. Écoute, y'a pas de quoi. Je suis pas du tout là où je pensais être. C'est pour ça que je l'ai fait... J'ai fait en ultra... ultra silencieux tout ça. J'ai une de ces goules. Désolé, hein, je me fais vieux alors. C'est vrai que ça fait bizarre quand ça m'arrive comme ça, sans coup de main. Yes, excellent travail. Je savais que c'était une bonne idée de le prendre avec moi. En fait, le truc, il est à 200 mètres. Je croyais que j'y étais, hein, attention. C'est assez incroyable. On sait qu'on va en avoir besoin. Yes. Alors. Comment j'avais fait la dernière fois comme ça? Non. Comment j'avais fait pour changer? Merde, putain. Ah! Attends. Comme ça. Yes. Voilà. Pour très longtemps. Ok, donc là on a l'alarme. Les snipers font de gros dégâts, les laisse surtout pas te toucher. Yes. C'est vrai que j'avais vraiment besoin de toi pour savoir ça. Ouais, j'arrive à le toucher d'ici, celui-là, là-bas. Ah putain, j'en ai vu un dans la maison. Il y en a un que j'ai repéré, mais il y en a un dans la maison. Je l'ai vu rentrer, mais j'ai pas eu le temps de viser assez longtemps. Je peux pas rester ici. Bah reste pas, qu'est-ce que tu je te dis. Il y en a un dans la maison ici.
Putain, je vois rien à l'intérieur. Et y'en a encore? On est sérieux là? Je vais aller par là, cet endroit me plaît pas! Fais appeler les renforts! Boum! Va falloir que je me prenne vraiment un arc. Vraiment que je fasse le niveau 3 de. De déconstruction d'armes, histoire de pouvoir me construire l'arc, parce que c'est assez terrible. Yes, excellent travail, voilà, Ethanol. Il y a personne qui a envie de me dire, hé, hey, là-bas, il y a un truc, c'est bien. Non. Super sympa. Excellent travail. Oui, oui, c'est vrai. Arrêtez de me parler du Nouvel Éden. Moi, ça me balise de devoir leur parler. Vous avez pas vécu ce que j'ai vécu. Ok, bon. On va se prendre une petite voiture. Ah, là-bas. Ça dépend où est-ce que tu te places. Yes, allez. Allez où? Ah! Non, pas vrai. Alors, je préfère te prévenir, je suis un peu ballonné aujourd'hui. Si tu me vomis sur la tête, je te jure que je vais mal le prendre. Alors, par contre, pourquoi je vois pas le chemin? Ça serait bien de. Non, pas vrai. Ok, c'est où? C'est là-bas. Ah, déjà. Dégoter un bon petit point d'eau ici. Bon, perso, je touche pas à cette merde. J'ai entraîné mon corps à s'en passer. Il est con. Oh là là, mais... C'est vraiment pas une zone propice à rouler, hein. Mais quel enfer! Ah! Bonjour les animaux! Je suis pas sûr du chemin emprunté. C'est trop tard maintenant, on va continuer à y aller, mais ah ouais, mais non, bah non, en fait, il faut vraiment que je fasse demi-tour. Je veux bien qu'il y ait des boss, mais il faut peut-être pas abuser non plus. Alors si ça, c'est pas de la précision, hop, je sors, voilà. Je suis trop fort. Et monter? Quand tu veux, hein, connard. Oh, sa mère.
soda pour la route. Oh bah tant pis, on y va. Il est fou. Alors, je pense que... Yes. Non, parce qu'il y a de nouveau un chemin de fer. Alors, là, il y a une route, là. Alors, si je suis la route, là... Ok, d'accord. Je vais suivre la route à la prochaine intersection. Je fais une sorte de demi-tour vers la droite. Yes. Alors là, pour moi, c'était la prochaine intersection. Ah, là, tu vois, là, on est sur une bonne petite route. On avance bien vite, tout va bien. Ah, mais oui, la route! Excellent travail. Oh non. Ah, j'aime pas ça. Ça vous bim flèche dans l'œil. Ah. Ça, c'est un de mes prochains partenaires. C'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. Va là où tout s'est terminé. Et où tout a commencé. Oh non. J'ai enlevé le coche pour appuyer sur carré. Oh mais non, mais c'est super loin. Et ma voiture, enfin ma moto, elle est encore là. Joseph Cid est peut-être con comme un manche, mais il a quand même droit à mon respect parce qu'il est... Pourquoi ma moto, elle a disparu? Je dois faire 1 km à pied. Ça va user mes souliers. Parce que là, je vois sur la map, il y a une petite voiture. Tu trouveras des trucs super utiles. Oh là là. Oh merde, j'ai pas d'essence ni d'herbe. Je peux quand même t'accompagner ou ça pose problème? Yes.
Mais t'es sérieux? J'ai une grosse voiture et je passe pas un arbre. Merde, on a botté pas mal de cul, dis donc. À toi, pour l'instant, t'as rien botté du tout. Hein. Moi, j'ai lâché deux flèches, deux kills et toi, t'as rien fait. Calme-toi. Mais je vois rien dans cette... Je vois rien, j'ai aucune visibilité sur la route. Pas sûr, mais je crois que le pont en fait il est de l'autre côté. Ah non, bah non, c'est une île, donc il n'y a pas de pont. À sortir de là, par contre, j'ai vu sur la map que j'avais un bateau. Oui, tout était prévu. Ah. Mec, il est tout en bas. Oh non! Vous voyez ce que je vois? C'est les spores de sa drogue. Oh non. Oh, ça va recommencer. Je l'ai suivi tout du long, jusqu'au bout. Jusqu'à un nouveau départ. Garde ton esprit ouvert. Recompose le passé. Je veux pas. Vraiment pas. J'étais là, hein. Tu te souviens pas de moi, mais moi j'étais là. Les péchés du monde ont été absous par les flammes du Seigneur. C'était des bombes nucléaires, hein. C'est pas pareil. Seuls ceux qui ont compris les signes ont été épargnés. Et dans les cendres est né le nouvel Éden. Pour suivre la voie, donne aux flammes tout ce qui n'est pas nécessaire. Mais putain, je peux pas. J'arrive pas à le mettre au milieu parce que je tombe tout le temps dans l'eau, putain. Ah, ou alors je dois le mettre ici. Trouver la bonne position. Purifie notre symbole, comme le monde a été purifié. Quoi ? Bah non, je veux sortir de là.
Ah, voilà. Ah, le truc, c'est que si je recule trop, j'ai tombé dans l'eau. C'est chiant. C'est pas du tout le symbole, en vrai. Pour suivre la voie, donne aux flammes tout ce qui n'est pas nécessaire. Ah, c'est là-haut, là-haut. Trouver la bonne position de la lunette. Yes, mais c'est chiant. C'est super chiant, putain. Super chiant parce qu'il y a le. Il y a l'eau là, en fait. C'est chiant, putain. Comme le monde a été purifié. Mais ferme ta gueule, putain. Tu me déconcentres. Eh, je peux pas reculer plus, hein. En fait, il faudrait que je recule plus, j'ai l'impression. Yes, j'ai sauté, hein, à la base, mais bon. Si je me mets là. Ah, c'est peut-être mieux ici. Yes, incroyable. J'avais dit qu'il fallait que je recule plus. Respecter les. Je t'en foutre une poutre, moi. Mais c'est chiant. J'avais espéré de pas devoir resubir cette drogue et resubir ce fils de chien. Ou au moins de le tuer, quoi. Une fois pour toutes. Une belle petite flèche entre les deux yeux. Tout le monde, hein. Rien à foutre de ta vie. Ils ont tout brisé en morceaux. Yes. Mais c'est moi. Nous avons tenu bon. Bah, toute ta famille est morte, hein, fils de pute. Je vais te détruire toi alors. Attends, si je me mets tout de suite ici. Je me mets comme ça. Cela, ça a l'air presque bien. Yes. Nous seuls sommes assez forts pour vivre dans ce nouveau monde que Dieu nous a donné. Mais ta gueule. Tu vas mourir. J'espère vraiment que la fin, que le endgame, c'est te buter en fait. Non, 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 je vais rester sur l'ancien Eden. Je vais te tuer, mais salement. Non, mais c'est bon. Ah, déjà qu'on est là. J'espère que tu sens ta mort en vrai. Notre unique choix est de nous détourner du passé. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, là il y en a un.
Ah, j'ai l'intérêt. Regarde comme le passé et le présent s'alignent avec le cercle du temps. Je vais mettre... Non, je sais pas. Comme ça dans le coin. C'est bien. C'est un peu chiant. Chaque fragment doit être à sa place, jusqu'au dernier. En fait, il est hyper chiant à tout le temps parler, putain. Bon, je suis au bon endroit. Non, c'est vraiment... C'est vraiment à l'intérieur. Mais putain, mais alors enlève ça et laisse-moi marcher. Quoi ? Ah ! Ah, quelle merde, putain, j'avais pas vu ça. Ça a changé les positions ? Ouais, ça change la position. Allez, mais... C'est chiant, putain! J'appuie sur carré, sur rond et... Regarde comme le passé et le présent s'alignent avec le cercle du temps. Attends, je regarde un coup. Voilà. Ah, voilà. Là, je pense qu'on est bon. Mais non, putain. Je pense que là, on est bon. Voilà. On va se positionner plus ou moins. Yes. Notre ancienne vie nous a conduits à la ruine. Pour avancer, nous devons vivre sans péché. Inspectez la croix, elle est où ? Elle est là-bas. Je crois qu'elle serait sur l'auto. Mais ta gueule, putain ! J'ai envie de te buter. T'imagines pas à quel point j'ai envie de te buter. Dieu a purifié le monde du péché. Mais Dieu, il a rien fait du tout. C'est des connards qui ont envoyé des bombes nucléaires, c'est tout. Le péché est dans notre sang. Notre chair. C'est pas le premier. Pour ça, Dieu m'avait annoncé l'effondrement. J'ai réuni ma famille pour nous y préparer. C'est toi qui l'a... Certainement toi qui l'a provoqué. Mais l'enfer avait suivi le cheval blanc. Celui qui ne pouvait pas s'enfuir. Ah, sérieux, je vais voir mon ancien moi ? J'ai cru que j'avais rempli mon obligation envers Dieu. Mais il avait une dernière chose à me dire. Mais non. Alors, j'arrive pas à penser, j'ai trop faim. Il faut que je remonte à la surface, j'ai trop peur, je crois. J'ai fait ce qu'il fallait, je vais faire les choses bien maintenant. Il m'a dit qu'il me pardonne, mais moi je ne peux pas. Je sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait, je comprends rien. Et lui, tout ce qu'il me donne, c'est la bonne. Wow. La parole, nous avons utilisé nos mains pour faire le bien. Non, bah, ouais, j'ai pas envie de lire tout ça. Le marqué de nom est diagonal.
M de balancing, machin, d'accord. Yes. C'est ça, la parole. Ah, mais attends, l'officier, ça c'est moi. Je pense. J'ai pensé à l'éliminer. Par compassion, je préfère lui faire prendre mon pardon. Parce que j'ai. Comme il a jugé les autres. Et quand il aura compris, il sortira de lui-même mort de faim. Et je lui dirai qu'il est désormais. Dieu a un projet pour lui. C'est un visage inconnu, il ne me ressemblait pas, ce n'est donc pas mon enfant biologique, mais ce sera mon enfant comme le sont tous les autres. Je laisserai ma parole ici quand je partirai, et c'est quand elle sera rendue à Eden que nous manifesterons notre destinée. Dieu ne m'a pas montré l'avenir, j'ai une conviction que je suis. J'ai envie de buter tout le monde. Oh génial, tu m'en as laissé, c'est sympa de ta part. Yes. Ok, excellent travail. Maintenant, mission principale. Je dois retourner là. Collaborer avec Joseph Seed, je trouve ça complètement con. Ah, j'aurais dû laisser le marqueur. J'ai. Mettre le marqueur ici. Quand tu veux, hein. Oh sa mère. Comment je vais tenir sans cela pour la route. Bon bah tant pis. Bon bah tant pis. Ah non, dis-moi pas que ça continue pas. J'ai espéré que... On va faire le tour. On va d'abord prendre un avant-poste. Mais merde. Aïe. Aïe. Mais de quoi? Mais j'ai même pas eu le temps de me défendre. Putain. Thank you.
J'ai foutu une flèche avant que son missile arrive en fait. J'ai... Tu disais ? Yes, en fait. Voilà, j'ai l'île. Bon, c'était pas ouf, hein, comme gameplay. Mais... Merci. Y a pas de quoi. Voilà. 15 flèches, yes. Ah. J'ai cru que Prosperity était foutue jusqu'à ce que t'arrives. Merde, j'ai pas d'essence ni d'herbe. Je peux quand même t'accompagner. Au bout d'un moment, c'est plus très drôle en fait, parce qu'il dit tout le temps la même chose, mais... Mais bon, ce qu'il dit, c'est quand même assez marrant. Je veux juste voir si c'est la bonne île. Pas du tout. D'accord. Est-ce que là je me dirige vers le bon truc? Yes. Ouais. Ça brûle là-bas. Oh là là, la merde. C'est vraiment nul ici. Le livre. Elle apporte le livre à Ethan. À Ethan ? C'est Joseph Seed. Qui est Ethan ? Je ne t'imaginais pas comme ça. Mais peut-être te dis-tu la même chose. Si tu es venu parler à mon vieux père, bien. As-tu trouvé le livre ? Sais-tu ce que tu m'apportes ? La parole de Joseph. Ses idées, ses conseils, son savoir. Et sa démence. J'ai cherché partout ce livre. Joseph disait que celui qui le trouverait serait choisi par Dieu
pour régner pleinement sur l'Éden. Yes, alors il est vraiment mort en fait. Et c'est toi qui viens pour nous le rapporter. Ça aurait dû être moi. C'est vers moi qu'ils se sont tournés quand il est parti au nord. C'est moi qui empêche cette famille d'éclater. C'est moi qu'ils ont choisi. Je suis celui qui les protège des cafards et des serpents. Je nous maintiens tous en vie à l'abri de ces murs. Pas mon père, moi. Mon père voulait bâtir un paradis, mais au premier problème, il s'est enfui. Putain, il est pas mort. Tu es venu chercher son aide. Mais Joseph est mort. Ah. Personne n'a envie de l'admettre, mais c'est la vérité. D'accord. Notre famille croit encore en lui et il y a peu de chances que cela change un jour. À moins qu'elle comprenne qu'il n'était pas vraiment un messie. Qu'il n'était qu'un homme. Tu dois m'aider. Ramène-leur une preuve de sa mort, et j'aiderai ton groupe. Ok, là, ça commence à me plaire, en fait. Voyager au nord prouve d'abord ta valeur. Allume la flamme de l'Éden. Les gens connaissent cette marque. Ils te mèneront à la flamme. C'est dégoûtant. C'est complètement dégueulasse ce que tu viens de faire. Hein. Ne refais jamais ça. Marc. Jamais ça. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Far Cry New Dawn. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao!